Salut Fodjé, ça dit quoi, c'est le retour sur les réseaux sociaux là? Salut mec, ça va, ouais c'est mon retour et il va être fulgurant là. Tout ce que j'ai à dire c'est que ben, il faut que vous arrêtiez de follower les autres. Il faut follow que moi, Fodjé Sissoko, c'est moi le meilleur, c'est moi le plus marrant, le plus authentique. J'ai pas changé, si ce n'est que je m'embellis, chaque jour. Mais pourquoi t'as disparu en fait des réseaux? Bah j'étais en train de tout préparer, c'est pas comme ça que tu deviens le meilleur. Là je vais tout prendre, sur tous les niveaux, à tous les niveaux. Tu vois ce que je veux dire? J'ai mon but suprême et je vais l'atteindre. Là je suis comme une missile à tête chercheuse, de militaire. Une missile? Un missile. Mais justement, en parlant de missile, on m'a dit que ça se passe pas bien avec ton ex. Et que c'est pour ça que t'es plus sur les réseaux. On va pas vraiment parler de missile à tête chercheuse. Bon bref, on va revenir sur le sujet à la base dont tu voulais parler. C'est tout le monde est une femme. Exactement. On est tous des femmes, dans le fond. Dans le fond, on est tous des femmes. C'est ce que je pense. Pourquoi? Bah déjà, ici, qui s'est jamais déjà imaginé être une femme? Moi. Bah, c'est impossible. Tout le monde s'est déjà imaginé être une femme. Moi, je me suis déjà imaginé être une femme et voilà. Donc, je me suis dit, ben, c'est tout le monde qui s'est déjà imaginé ça. Mais quand tu t'imagines être une femme, t'imagines quoi exactement? Bah, j'imagine être une femme, genre, je sais pas, une femme, belle femme indépendante. Je reçois plein de textos, plein de DM. Le matin, je me réveille, je me mate un petit porno. Un porno? Ouais. Je vois pas le rapport avec être une femme et mater un porno. Bah en fait, je me suis déjà maté des femmes, merde. Je me suis déjà maté un porno en étant un homme. Tu t'es déjà maté des femmes? Non, mater un porno en étant un homme. Donc là, je veux mater un porno en étant une femme. Pour voir la différence. Pour te masturber en tant que femme? Non, pas du tout. C'est juste pour regarder et ressentir... Bah quand t'es un homme, tu te masturbes quand tu regardes un porno? Ouais, mais j'avais pas pensé à ça en étant une femme. Quand j'étais une femme, j'ai plus pensé à la création, la créativité, ce qu'une femme peut apporter, même ce qu'une femme peut ressentir, tu vois ce que je veux dire? C'est dans tous ces trucs-là que je me suis ressenti dedans et je me suis dit, en fait, on est tous pareils, on est tous des femmes. Mais en parlant de ressenti, c'est-à-dire ce qu'une femme peut ressentir, tu te verrais donc, en tant que femme, coucher avec un homme? Non, parce que à chaque fois... T'as déjà imaginé... Je me suis déjà imaginé avec un homme, mais pas faire l'acte. En gros, on est dans un bar, on parle, on rigole, il me fait des compliments, tu vois ce que je veux dire? Je suis toute contente et tout, nanana, et puis au moment où il me dit on va chez toi, là, boum, je me réveille et voilà. Pourquoi? Je sais pas, j'ai un blocage, j'arrive pas à m'imaginer être une femme et coucher avec un homme. Mais toi, en tant qu'homme, tu te vois coucher avec des femmes? Bah, je me vois pas. Comment ça? J'ai jamais fait devant un miroir. Ah bon? Non. Mais... Tu t'es déjà filmé? Merci.